Salut tout le monde, donc du coup on se retrouve sur GOH. Donc au lieu d'être sur le site pour cet épisode, on va être sur le jeu. En tout cas pour les Persona Guild, si bien évidemment par la suite, si vous voulez être dans une vidéo, vous m'envoyez votre code allié, j'irai faire voir du coup votre compte, etc. Donc du coup c'est parti, on va voir ça ensemble. On va voir donc du coup Malo qui est un officier de la guilde. Vous allez voir que en vrai il a un très bon compte. Il a juste foncé vers CLSLKR pour quelque chose. Enfin après avoir commencé une base. Et on va voir ensemble du coup un peu ce que ça va donner. Donc du coup Malo. Je lui ai posé comme d'habitude les. Bah, comme ça va être pour le cas pour tout le monde, je vais poser les trois questions. On va voir ça ensemble. Donc quels sont ses anciens objectifs? Désolé, j'ai un peu bugué. Son objectif du moment et du coup ce qu'il pense manquer s'il pense qu'il a des manques dans son roster actuel. Donc du coup, en ancien objectif, c'est un joueur qui date de 1 an et demi environ. Il s'est lancé sur SLKR il y a 9 mois. Donc du coup, ça, ouais, quasi tout son temps de jeu, c'est sur SLKR. C'est à peu près le temps qu'il faut pour avoir SLKR, donc ça va. Il l'a débloqué il y a 1 mois. Il est en train de finir ses états et son ulti, d'accord. Donc on le voit enfin, sur la page principale de Malo, on voit que comme quoi il est état 4 sur 6 et relique 7 sur 9, on va dire. Donc du coup, pour arriver à ses objectifs, il a dû faire des choix. Il a laissé de côté Revan et Malak. Il a juste débloqué JKR, mais un Logir. On va voir que comme quoi c'est pas forcément Logir ce qu'il a. Il peut quand même l'utiliser. Il a outrepassé certains persos légendaires comme JTR. Il a débloqué Céleste, mais il l'a pas up, etc. JTR est un bon perso légendaire à avoir. Est-ce que c'est un perso genre pilier du jeu? Je dirais peut-être pas autant que peut l'être Revan, Céleste ou des trucs comme ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je parle dans le principe où pilier ou base quand tu commences. JTR, clairement, c'est pas un perso qu'on va aller chercher quand on commence à jouer au jeu. Mais c'est vraiment un bon perso, une bonne team à avoir à côté. Un jour, donc, du coup, il retournera faire Dark Revan, puis Malak. Et ensuite, donc, du coup, mais après l'exécuteur, pardon. Son objectif du moment, donc, du coup, c'est de farm l'exécuteur, car il n'arrive plus à être dans le top 10, ce qui lui avait permis de faire SFKR. Il n'arrive plus aussi à être. Il a du mal à maintenir le top 20. Donc, il focus l'exécuteur, ok. J'ai quelques trucs à dire par rapport à ça, mais ça on verra après. Est-ce qu'il y a donc du coup des manques dans son roster? Est-ce qu'il pense qu'il y a quelque chose qui manque ou des trucs comme ça? À ça, il m'a répondu donc oui et non. Il lui manque le light side, d'après le chef, ce qui n'est pas un handicap pour lui, car il se débrouille bien en GA, bronzième 3 actuellement, donc ça ok. Il n'y a que sur la TBLS, donc Light Side, où il est juste, où il ne peut pas trop aider la guilde, ça l'arrange. La TB, c'est pas trop son truc. Pour compenser, par contre, il a beaucoup d'Omicron pour la TW, qui avec la GA est son mode préféré. Il n'est pas un fan des raids, mais et encore moins des TB. C'est un peu dommage qu'il soit pas fan des raids, parce qu'avec SLKR, il peut largement. Faire pas mal de raids, donc c'est un peu ballot. C'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi on fait SLKR au tout début, parce que justement il permet d'avoir une flotte, il permet d'avoir une arène d'escouade, mais surtout il permet de faire des raids assez facilement pour la guilde. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc beaucoup de manques dans son roster, beaucoup de teams de base ne sont pas là, des Dark Revan, c'est Logitaire, Jedi Moisi et Sol Panmé s'en sort un peu. Il a essayé de farm pendant son SLKR et de travailler sur des teams qui peuvent être efficaces à low cost. Les teams qui donc du coup le carry aujourd'hui et qui font le taf en GA et TW,
outre les premiers rounds, c'est Nest et Wampa. Clairement, ils sont très très bien. Hein. Je suis allé voir, ils sont très bien modés et tout. Ils font large le taf. Night Sister, Imperial Trooper et Don Versio et du coup Jawa. Jawa, c'est un peu spécial. Je dirais que vraiment, c'est pas une team qu'on va chercher, même en le gear, surtout au début. Et puis voilà. Donc du coup, on passe au jeu, on va voir un peu ce que ça donne, voir ce que l'on peut faire et tout et tout. On va voir vite fait son... Je pense qu'on va aller voir ses stats. Alors ça va être un peu différent de quand je suis sur le site parce que là du coup je suis sur le jeu directement. Ses stats, il a quand même 3 millions 5 de PG, ok. Il a un peu, donc du coup, il a plus en personnage qu'en vaisseau. Il a gagné quand même pas mal d'arènes. Bon, après on s'en fout un peu, c'est pas vraiment ce que je cherche à voir. Meilleur rang de championnat atteint, division 1, carbonite, ok. Ok, carbonite 1, du coup j'imagine. Ok. Non, c'est... Ouais, je sais plus. Donc du coup en vaisseau, voyons voir. Donc du coup il a quand même la flotte entière des premiers rangs qu'on voit là. Donc on va aller voir vite fait du coup les premiers rangs. Donc c'est bien, il a quand même tout. Il n'a pas fini de monter le TIE échelon. Faut que tu le finisses, Malo. C'est très important. Il a le finalizer, pardon, finalizer. En vrai, cette flotte-là, le temps que tu fasses enfin, je pense que le temps que tu fasses l'exécuteur, garde cette flotte-là. Vraiment, je pense que ça pourrait vraiment être beaucoup mieux que la flotte que tu as actuellement, qu'on a vue juste avant, là, celle-là. Même si le dent du molosse est très fort, les géonosiens perdent leur utilité entre guillemets tant que t'as pas le malveillance au bout d'un moment. Donc du coup vraiment je pense que la team premier ordre sera mieux que les géonosiens. Le TUX1 très bon, les géonosiens bon sympa mais il faut le malveillance. Le Slave One c'est très bien, le Vautour très bien aussi, l'Anakin et du coup Ahsoka, le Ghost et le Phantom 2. Faucheur TIE, en vrai si tu peux les monter les TIE là, ces deux-là, monte-les. Avec le TIE X1, ça ferait un bon début de Team Empire. Le droïde bombardier, ok. Le vaisseau Drex, le Xanadu Blood, donc du coup qui est là, faudrait au moins le monter 85. D'ailleurs, est-ce que tu as monté... Ouais, tu commences à monter leur compétences. Lui, bah, je pense que tu l'as un peu mis de côté, voilà. Ensuite t'en as d'autres, chasseur TIE impérial, ok. Ok, en vrai ça va. Juste actuellement, je pense qu'en vaisseau, focus-toi sur de finir tes premiers rounds. Je pense que tu peux vraiment t'en sortir le temps de finir ce que tu as déjà. Par exemple, pendant que tu vas chercher le malveillance pour les géonosiens, enfin pour les séparatistes pour être exact. Ensuite tu peux prendre l'exécutrix pour faire une petite team empire et du coup avec le bombardier. Ensuite tu as déjà, on a vu le chasseur TIE, tu as le défenseur et le faucheur TIE. Profites-en, monte-les, ça peut être vraiment pas mal avec du coup le TUX1 qui est ici. Vraiment, en fait faut vous dire que l'empire maintenant c'est devenu vraiment fort et profitez-en. Tu as le gauntlet aussi qui est pas mal. Donc voilà, t'as vraiment une base empire aussi. Pas forcément obligé d'aller chercher l'exécuteur. L'exécutrix avec une team empire fait vraiment le taf. Juste va farmer ce que tu as déjà. Donc le défenseur TIE est un excellent vaisseau. Vraiment, il est incroyable ce vaisseau. Sachant que t'as déjà monté Aiden Versio, profite-en. Donc voilà, en plus de ça, pour l'exécuteur, t'as pas franchement beaucoup à farm. Tu dois vite fait finir de farmer cette étoile, l'IG2000. Et je crois que c'est à peu près tout. On a vu le dent du molosse qui était déjà cette étoile, le Slave One aussi. Pareil pour le Xanadu Blood. T'as TUX1 qui est déjà bien monté, qui est fini, je veux dire. Tu as le bombardier à monter, bon, ça c'est un peu normal.
Mais voilà, il pourra rentrer par exemple dans la Team Empire. Enfin, vraiment, t'as quasiment fini tous les prérequis de l'exécuteur. Va, occupe-toi de finir IG2000. Et une fois que t'as fini IG2000, occupe-toi de ta Team Empire. Je pense qu'elle sera plus intéressante. Peut-être plus intéressante que par exemple ton Fanalyzer à ce moment-là. Mais voilà. En vrai, pour l'instant, du coup, pour récapituler un peu tout ce que j'ai dit, utilise ta première horde, le temps que tu finisses de monter ce que tu veux faire, donc l'exécuteur à l'heure actuelle. Une fois que tu as bien fini l'exécuteur et que tu as fini de peaufiner ta première horde, dans ce cas-là, bah, tu peux utiliser ton exécuteur si tu veux. Si t'as pas trop envie de faire l'exécuteur, tu as toujours l'option de faire un Team Empire avec l'exécutrix qui fonctionne très bien. Et puis voilà. Bon, pas beaucoup de light side, ça c'est sûr. Hein. T'en as, mais clairement tu vas pas les utiliser. T'as pas ce qu'il faut pour, en tout cas. Donc voilà. En personnage, par contre, donc voyons voir. Première, donc du coup, normalement il a tout fini vu qu'il a SLKR. On va juste aller voir à quel point il les a montés. Donc SLKR, il lui manque deux états. Ça, on le savait, c'est normal. Il vient de finir, donc du coup, son ultime, je crois, apparemment. Donc ok. Il lui manque donc du coup le Zeta ici et le Zeta ici. Il est relique 7 sur 9. Mais du coup voilà, c'est fait. Il a l'air d'être plutôt bien modé dans tous les cas. Je suis en train de voir. Ok. Donc ouais, en vrai ça va, il est très bien, juste finis-le. Finis ta première ordre. Vraiment finis ta. En vrai, bon, un personnage, t'es plutôt bien, hein, je vais pas te mentir. Mais finis de monter SLKR et finis tes vaisseaux. Vraiment, c'est ce qui va te mettre bien. Du coup, confirmé. Voyons voir. Empereur Palpatine qu'il avait dû monter. Vador qu'il est bien. J'ai vu que Vador, d'ailleurs, sur GOH.GG, tu l'utilises parfois en 3v3 GA en leader. Si c'est le cas, n'hésite pas à Zeta son leader. Ça te fera beaucoup plus utile et il fera beaucoup plus d'effet que de l'avoir comme ça. Mais comme ça suffit si jamais tu l'utilises pas en leader. Hein, il fait largement le taf comme ça. Mais si tu l'utilises en leader, bah autant Zeta son leader quoi. Bosque donc du coup R5, c'est largement ce qu'il faut, c'est parfait. Peut-être lui mettre les états, ça serait bien. Surtout pour son lead en tout cas. Après, je sais pas, lui si tu veux, mais voilà. Il a l'air d'être bien modé en plus. L'Alpha Geonosien, ok. L'Oampa qui a l'Omicron, ça c'est parfait. Pareil pour Captain Phasma, j'en ai pas parlé, mais c'est bien parce que du coup Captain Phasma lui permet d'avoir une solide deuxième team. Le Oampa, donc du coup à lui tout seul qui va tout déchirer. Il a de ses deux états. J'ai vu que Kanko il était plutôt bien modé, donc c'est parfait. Il faut juste le relique maintenant et puis bah là t'es vraiment parfait sur le perso. Au moins relique 3 si possible. Bon les deux Géonosiens donc du coup qui sont relique 3, je crois pas qu'il y en avait d'autres ouais. Qui sont du coup relique 3, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien je veux dire. Les monte pas plus en relique, monte du coup les autres reliques si tu souhaites, mais vraiment les monte pas plus. Je pense par contre que tu t'es un peu mis trop en avant pour les Géonosiens. Il aurait mieux valu monter d'autres persos, finir un peu par exemple de relique 9 ton Kylo Ren, des trucs comme ça. Surtout que si tu vas chercher l'exécuteur, tu aurais dû plutôt. Je crois que c'est Vador qui est utile pour. C'est quoi c'est Piet et Boba Fett, pardon, qu'il faut que tu reliques 8. Donc, il va falloir faire gaffe par rapport à ça. Je pense que l'exécutrix, tu viens de faire une GL. Je pense qu'une petite pause par rapport à l'exécuteur aurait été bon. Parce que le truc, c'est que du coup, ça va te demander pas mal de ressources. Et du coup, faire l'exécutrix avec ces vaisseaux de l'Empire aurait été mieux que l'exécuteur. Et du coup, tu aurais pu finaliser ton roster light side que tu as déjà pas mal monté. T'aurais juste pu au moins les finir, quoi. C'est ça que je veux dire. Et du coup, ensuite faire l'exécuteur à ce moment.
Vieille Daka, ouais, ok. Le petit Omicron sur Eden Versi, ouais, ça j'entrais, c'est parfait. Maragé qui a l'Omicron. Bon, niveau Omicron, il est large, correct, hein, il a fait ce qu'il fallait. De ce que je vois, Amiral Piet, ok, il n'est pas G12, mais apparemment c'est peut-être bientôt. Maître Yoda G12 avec son Zeta. Virs, il n'en avait pas un deuxième lui? Non, ok. Mon mauvais. Gideon, essaye de G12, pareil, il y a plein de persos que tu dois finir au moins pour de G12, tu vois. Genre, Aiden Versio essaye de la G12, Piet essaye de le G12. Ils sont à rien de G12, pourquoi tu les finis pas? Vraiment, c'est dommage. Meuf Gideon, pareil, G12. Revan, il disait qu'il est low gear, il est G12. Il est encore mieux gear que tes Imperial Troopers et tout. Pourquoi tu me dis qu'il est pas? Faut les états par contre, hein. Ça c'est. Faut les états. Mais ouais, c'est peut-être en mode par contre qu'il galère, j'ai l'impression. Non, il est bien aussi en mode. Non, vraiment, c'est un peu abusé ce que tu viens de dire du coup. Par rapport à ton Revan, il est vraiment correct. Hein. Je pense que tu peux le sortir. Juste peaufine un peu ta team. Je vois que tu as un GMY, que tu as un Bastilla. Enfin, une Bastilla, pardon. Donc ça fait quand même 3 persos. Je crois que tu as un peu plus bas Jolly Bindo. Va falloir le Zeta. Donc du coup, tu as le quatrième. Et puis je crois qu'encore plus bas, tu as. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Mince, 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 mince. Il est où? Il est là, t'as Yoda Hermite, t'as la team qu'il faut. T'as vraiment une bonne team pour Revan, donc du coup, profites-en, le mêlée. T'es bien, je. En fait, t'as ce qu'il faut. Genre, bon, on a vu un peu en bas, il a Jango Fett, des trucs comme ça. Vraiment, t'as les persos qu'il faut. À chaque fois, je sais pas pourquoi. Je vais pas te mentir, hein, je sais pas pourquoi. Tu stops à un gear de les monter de ce qu'il faut. Genre Mace Windu, il lui manque un gear pour être G12 et après tu le lâches pendant longtemps. Pareil pour Dooku, G12 et après tu le lâches. Enfin, je comprends pas pourquoi tu les. Je sais pas, c'est trop bizarre. Tu les montes G11 avec un seul item qui reste et tu veux pas y toucher. C'est très étrange. Alors qu'il leur manque juste un item pour être correct et ne plus y toucher justement. Donc je trouve ça très étrange. Après Revan, bah là t'as juste à le relique. Hein, G13, puis relique, et puis voilà. Boba Fett, si tu fais exécuteur, va falloir relique, donc G13, etc. En plus, c'est relique 8, lui. Donc ça va prendre pas mal. J'ai vu que tu avais monté pas mal de persos du film Han Solo. Je sais pas pourquoi tu as fait ça. Peut-être un event ou quelque chose du genre, je sais, j'avoue, je sais pas exactement pourquoi. Ils sont pas mauvais, hein, c'est juste que je vois pas l'utilité en eux-mêmes. Nutgunray, ouais, bon, il est bien, mais clairement pas à monter maintenant. Au pire, quand t'auras, comment ça s'appelle? Trench, mais actuellement, c'est pas trop le cas. Donc, du coup, voyons voir un peu les Jawas, il en a quelques-uns. G11, G11, G11. Pareil, toujours pas G12. G10, il en manque qu'un. Voilà, là, ici, G11, ok. Je vois que comme quoi t'as Griff Karga G10, Mandalorian G9, ça fait mal. Le Mare Talzin essaye de peut-être la G10, on va dire. Les Night Sisters en tout cas, même si G9 c'est largement correct. J'ai dit G11 d'ailleurs, peut-être même G12 les Night Sisters, si tu peux. Mais après ça c'est plus secondaire qu'autre chose par rapport à ce que je t'ai déjà dit. Stormtrooper il est que G10, Magma Trooper G11. Il y a quoi d'autre? Est-ce que t'as Grievous? J'ai pas fait gaffe. Non, t'as pas Grievous. Ok. Parce que du coup, je vois que t'as quand même pas mal de droïdes séparatistes. En tout cas, t'as le droïde DK. Est-ce qu'il a le B1B2? Non, il l'a pas. Ok. Ah si, il a Grievous. Ok, bon, il va pouvoir commencer une team du coup s'il a B2 aussi. Ok, j'ai été mauvaise langue. D'accord, donc il peut commencer une petite team GG. Il peut faire une team clone. Il peut faire une team Qui-Gon Jinn s'il le monte, bien évidemment. Il a un Chewbacca, donc si jamais il a le reste, il peut commencer une team CLS. Ce sera pas la meilleure, mais ce sera toujours ça. Je regarde. Il a Dengar, donc du coup possiblement autre chose. Armure guerre.
Il a donc du coup CLS. Donc tu CLS, Han Solo, Chewbacca. Tu le mets R2-D2 et Vieux Ben et t'es parfait pour une team CLS, en tout cas sans C3PO et C3C. Plo Koon, tu utilises son vaisseau mais il n'est pas monté. Ça me stresse de voir ça, c'est horrible. T'as le B1, bah voilà, t'as un début de GG, c'est déjà ça. T'as un début de GG avec du coup Grievous, B1, B2, et ensuite Not Gunray ou Droid DK, à toi de voir. Mais ouais, c'était pas mal, ça va. Jopress, tu l'as cette étoile, monte-le. À lui tout seul, il pourra te faire par exemple bah, une team CLS. Donc bon, après, faut le micron, etc. Mais ouais, tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais voilà, bon, après, c'est des persos autres. Mais ouais, en vrai, t'as ce qu'il faut. Tu dis que tu montes de light side, c'est pas le cas. Tu les as. Juste, monte-les. Personnellement, je conseillerais de mettre en pause ton exécuteur. Va au pire monter des vaisseaux Empire que tu as déjà. Faut juste finir de les monter. Et finis surtout tes persos du côté lumineux. Tu auras largement de quoi faire, que ce soit du côté lumineux ou obscur. Et tu seras vraiment bien. J'ai cru comprendre que t'étais l'inverse de Sahal, où justement Sahal il aime pas le côté obscur, il aime pas le côté obscur, toi t'aimes pas le côté lumineux, mais vraiment c'est très important, farme-le, farme ton côté light side, surtout que t'as des bons persos, t'as ce qu'il faut, faut juste les finir comme je dis, d'ailleurs il faut ta team IT, pareil, il faut finir, ta team Imperial Trooper, faut finir, t'as plein de trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que ça a été correct pour vous, j'espère que ça j'ai pu dire bien ce qu'il fallait. Au niveau mode, je sais que Saint Fitness est vraiment bien, je sais que son Wampa est vraiment bien aussi. Voilà, je sais que par exemple ses premiers ordres ils sont plutôt bien aussi. Donc voilà, je pense qu'il sait ce qu'il fait, juste qu'il les finit pas. Je sais aussi que IRL, apparemment, il y a des trucs qu'il prépare, donc du coup, il pourra pas forcément être là. Mais si jamais tu m'écoutes, finis de faire tes teams, finis, enfin, peaufine ta première ordre, et en même temps, fais ta team Empire, tu verras que tu pourras être très bien, ne serait-ce qu'avec ça. En tout cas, le temps que tu as la malveillance et l'exécutant. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez que je le fasse pour vous aussi, bah, n'hésitez pas à m'envoyer votre code allié ou votre pseudo. J'irai voir soit sur le site, soit sur le jeu. Et puis voilà, donc merci à tous d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.